bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va, Superman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là sur American Truck Simulator. Et oui, enfin, je suis très content de vous retrouver enfin sur ce jeu. Ouh, dis donc, la musique elle commence bien. La musique, la bonne ambiance. Je vous jure, c'est la toute première fois que je lance ce jeu. Je viens de l'installer, on est mardi soir. Avec un peu de chance, j'ai réussi. Steam l'a mis en disponible un peu plus tôt. Et là, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc là, on va choisir un petit personnage. Bon, je n'ai rien à foutre, hein, personnellement. Allez, hop. Allez, moi, je préfère quoi? Peterbilt ou Kenworth? Parce que c'est vrai qu'il n'y a que deux camions dessus. Personnellement, je préfère le Peterbilt, quand même. Un petit logo. Ah, et celui-là est vraiment stylé, quand même. Quoique, j'aime bien celui-là aussi, mais je préfère celui-là, quand même. Le nom d'entreprise. Et bon, on va marquer GameZik. Trucking, voilà, on reste américain, français, bien sûr, on est français, on parle français, bien sûr masculin, et puis créé. Voilà, contrôleur, donc je vous, à la base, je devais faire avant, mais je me suis dit non, vaut mieux que je lance comme ça, que j'ai vraiment la découverte avec vous. et en fin de compte, non, je me suis dit comme ça, au moins vous verrez la configuration que j'ai pour mon volant. Automatique réel, direction... Hop, rotation, ouais. D'accord. Accélération. Accélération, freinage. Regardez à gauche ou à droite. Voilà. En haut et en bas, on s'en fout un peu. Suivant. Rapport supérieur, hop. Rapport inférieur, hop. Je les connais tous par cœur, donc terminer l'assistant. Voilà, c'est parti. Alors, sélectionnez la ville, ok, vous voulez commencer. Donc pour l'instant on a que le Nevada et California, mais c'est bizarre parce que moi sur le pack que j'ai acheté à la base je devrais avoir l'Arizona, donc je sais pas, je verrai en fonction. Donc là on a quelques villes, on peut pas commencer sur les petites villes, on a que, vous voyez, San Francisco, on peut commencer à Reno, à Alco, on peut même pas commencer à pour l'instant à Las Vegas qui est juste là. Si, on peut commencer à Las Vegas, mais j'ai pas envie de me spoiler. On va commencer à San Diego. J'ai pas envie de commencer à Las Vegas non plus, passer par le tutoriel, non, parce que voilà, c'est pareil que TS2, je m'en fous un peu. Alors là, à la base, on va respawner dans le camion, non, pas encore. Le début, bienvenue dans American Truck Simulator, attention, alors, vous avez la chance d'exercer le métier de vos rêves et conduire un camion. Votre propre entreprise de transport est désormais lancée, mais vous n'avez malheureusement pas assez d'argent pour acheter un camion pour le moment. Vous devez vous contenter de travailler comme chauffeur pour d'autres compagnies. Votre mission est de livrer en toute sécurité un chargement de vêtements vers le dépôt Walbert à San Diego. Votre employeur vous a confié un véhicule et couvrira toutes les dépenses. Ne le décevez pas et livrez à temps. Attention, là on va respawner dans le camion, les amis. Et là, ça va être ma toute première fois sur American Truck Simulator. Non, on va les configurer juste un peu avant, quand même. Hop, ça change pas, hein, donc jouabilité, clavier, bouton. Donc, non, là, voilà, c'est ça qu'il faut, voilà. Alors, frein de parc, ici. Vous inquiétez pas, pour moi, c'est très rapide, parce que je sais où est telle chose, où est telle chose. Donc pour moi c'est très rapide. Clignotant gauche, clignotant droit, feu de détresse, mode d'éclairage, feu de route, klaxon ici, essuie-glace, non, point J, ouais, essuie-glace ici. Régulateur de vitesse, non, pas pour l'instant, ça je m'en fous. Alors, caméra intérieure ici, caméra poursuite ici. Alors, vue, regardez, rétroviseur à gauche, vue intérieure, voilà. Ici. Je crois que c'est ici. Voilà. Ensuite, activer ici. Atteler la remorque, ça va être pareil, sauf que je vais mettre une autre touche parce que pour moi, ça va être plus simple parce que c'est devant, parce que j'ai le micro qui bloque là. Et puis voilà. Donc pour moi, ça a l'air bon. Je crois que j'ai tout assigné. Voilà. Fonction suivante du GPS, on s'en fout. Voilà. Alors on va voir la carte du monde, ouais, même si on l'a un peu vu, on voit qu'il y a quand même pas mal de villes, il y a quand même pas mal de choses à faire. Là on a quand même duré du trajet 22 minutes, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour un début. Alors on voit le petit Peterbilt qui est vraiment sympa, on voit que c'est en dollars,
on voit que voilà, c'est marqué en Hayhem. Donc là on est le matin. Donc c'est parti, je vais juste régler la cabine parce que j'ai vu que j'étais pas vraiment à mon aise. On va reculer un peu, baisser la tête. Et puis là à la base on devrait être bon. Alors, on va mettre le GPS comme ça, même si je sais que j'ai un GPS, mais vu que j'ai déjà vu quelques vidéos, donc c'est parti, on va démarrer le camion. Waouh. Ah, très très heureux d'être sur ce American Truck Simulator. Je vais je sais pas si je peux mettre les radios américaines, pour l'instant je vais pas essayer. Donc c'est parti. Là j'ai mis ma vitesse à la base, on devrait arriver, avancer. Waouh. Non, je suis très très content. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Parce que je dis. Franchement, c'est vrai que l'ambiance, c'est pas pareil. Moi, personnellement, je trouve que le jeu est beaucoup plus coloré. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Tiens, on va voir d'ailleurs la remorque. Allez, ça fait plaisir. Eh, franchement, le camion, il fait plaisir aussi. Regardez-moi ça. Bon, le mec, à l'intérieur du camion, c'est toujours le même. Hein. Ça a jamais changé. Et franchement, là. Non. Non, franchement, je suis très très content de ce jeu. Non, et en plus, je suis très limité au niveau des moyens en ce moment, au niveau de l'argent. Et je tenais à remercier Wargame qui m'a fait mon cadeau de Noël tardivement, mais qui m'a fait mon cadeau de Noël et qui m'a payé en partie ce jeu. Et merci à lui. Donc, c'est parti. On tourne, donc à la base, on devrait passer tranquillement. Bon, j'ai pas mis le clignotant, mais c'est pas grave. Donc, franchement, je suis très très content d'être sur ce American Truck. Je pense pas qu'on va... On va juste faire cette petite vidéo de début pour l'instant, j'ai pas de sujet sur ce American Truck. Alors, c'est quoi? C'est un feu, d'accord, ok. Non, pourquoi je mets le clignotant de l'autre côté en plus? Alors qu'on va, on doit tourner à droite. Donc, j'ai pas de sujet pour cette vidéo-là, donc je pense qu'on va juste faire cette première mission, la toute petite mission-là. Et puis, parce qu'en fait, c'est le début, c'est aussi une... Je m'explique. Là, notamment, là, c'est une vidéo découverte, mais c'est aussi une vidéo début de carrière. Donc, ça va être la vidéo carrière numéro 1 sur American Truck Simulator. Et le deuxième épisode arrivera très prochainement parce que j'ai très très envie de jouer à ce jeu. C'est le jeu que j'attendais vraiment en ce début d'année 2016. Et donc voilà. En tout cas, non, il est très simple à conduire. Donc j'ai pas pour une autre vitesse. Donc sinon j'aurais pu me tester aux vitesses. Mais on va se remettre sur la voie. Donc il faut respecter les kilomètres heure. Hein. Parce que là on est à 30. J'aurais dû mettre le régulateur peut-être. J'ai peut-être, apparemment, oui, ça coûte assez cher. J'ai vu que ça coûtait 1 000 $, je crois, l'amende. Donc, il y a une chose que je vais faire, c'est peut-être assigner justement une touche rapidement sur le clavier pour le régulateur de vitesse. Je suis désolé. Régulateur de vitesse, c'est où déjà? Voilà. Alors, je sais pas si ça marche vraiment, ça. Hop, je vais assigner le 2, par exemple. Voilà. Non, je ne sais pas si ça marche vraiment. Donc là, apparemment, je l'aurais mis. Et si j'accélère, je vais pas monter au-dessus de 30 alors. Ah si, pourtant. Ah bon, on est juste arrivé là. Et ben, on va s'arrêter là, je pense, les amis. Bah, c'est dommage pour une courte vidéo. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça arrivera dans la semaine. Ou alors, est-ce que je m'en fais une petite deuxième? Oh, j'ai vraiment envie d'y jouer. Je vais en faire une deuxième. Même si, même quand je vais arrêter la vidéo, je vais continuer d'y jouer. Ça, c'est clair. Hein. Alors voilà, ça c'est une nouveauté, c'est de se garer. Voilà, on vous propose la possibilité de vous garer. Donc là, soit hop, vous en avez besoin, donc vous vraiment vous garez en arrière, soit vous garez en avant, soit vraiment vous n'avez rien à faire. Là on est à Walbert, d'accord, donc on voit d'ailleurs le logo du ce charmant magasin. Donc on voit directement en plus le plan. Donc là on voit que c'est le parking et on voit à mon avis les livraisons qui doivent être par derrière, à mon avis, je suppose. J'ai pas vraiment vu. J'ai pas vraiment fait attention. Alors vu que c'est la première fois, on va tenter le risque. Pour l'XP. D'accord? Et on vous donne la position, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre comme ça. Ça aurait été en avant, ouais, tu serais arrivé, tu serais mis directement comme ça. Et ça aurait été en passé, bah tu la mettais directement, t'as pas besoin de bouger d'ici. Nous, on va tester pour la première fois de mettre en arrière. D'accord? Et étant donné que je me vante pas, je sais que je suis plutôt bon. Que je regarde même pas derrière. Je regarde même pas. Je me mets pas en vue extérieure comme ça. Je reste toujours en vue intérieure. Il y a des gens, c'est bien, il y a des piétons, la circulation est vraiment intense, comme aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc là, il n'y a pas de remorque.
Si. Ah, non, me dis pas qu'il faut faire que je me gare entre deux remorques. Si. Et si. Bon, alors. On va essayer. Hop. Je vais juste me mettre en vue extérieure pour voir si je suis plutôt pas mal ou pas. Alors, c'est parti. On va essayer en vue intérieure. Ça va être compliqué. Avec un camion américain, ça va être assez compliqué. Alors, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. Mais là, pour cette première fois, j'aurais bien tenté de en vue extérieure quand même. Parce que là, je suis la première fois sur ce jeu. Je suis peut-être un peu trop modeste de vouloir me mettre directement en vue intérieure. Quoique, non, je suis plutôt pas mal. Ah non, par contre, j'aurais bien aimé peut-être redresser encore un tout petit peu. Non, je vais pas être bon. Hop, là, ça va être plutôt bon. Voilà, là c'est bon, là. Là, c'est bon aussi. Là, je vais me redresser un peu tôt. Là, j'ai peut-être un peu trop mis d'angle. Ouais. Là, c'est pas grave, je vais juste me ravancer droit. Voilà. Remettre. Hop. Là, je suis bien parti. Là, ça va, je suis bien parti. Est-ce que je vais la mettre ou pas? Excusez-moi, c'est... Oh oui, c'est bon! C'est bon! Le retour de force, c'est bon! Ça, c'est très très bon! C'est parti, on va s'en faire vraiment une petite... Une petite autre, hein. Une toute petite. D'accord, on va essayer dans une toute petite. Bon, je suis désolé si vous entendez mon PC qui tourne. C'est que lui aussi apprécie. Voici votre siège social. Bien pourri d'ailleurs, il a l'air bien pourri. Hein. Encore plus pourri que ceux qui étaient sur ETS2. C'est un garage plutôt basique, ça peut paraître désiratoire, mais c'est qu'un début. Malheureusement, vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici. Ok, une fois que vous aurez gagné assez d'argent et un camion, vous serez en mesure de vous déplacer librement et commencer vos affaires. Bonne chance, merci. C'est parti, donc, marché du travail, mission rapide. C'est toujours pas changer de logo. On coûte San Diego, parce qu'il n'y a que ça qu'on a découvert. Il n'y a pas un petit San Diego? Parce qu'on a fait, ça fait quand même pas mal de temps, hein. Ah, c'est assez long. Je suis désolé, du coup, les gens, on va s'arrêter là, mais je vais vous en proposer... peut-être en vidéo bonus, peut-être pas organisé comme ça, mais une petite vidéo bonus comme ça, aléatoirement, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit j'aime sur Facebook et un petit tweet. Sur Twitter, ça vous fait aussi plaisir, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes déjà pas. Et vous inquiétez pas, on revient très très vite sur ce jeu-là pour ceux à qui ça a, auquel vous, ça a, voilà, aux personnes que... auquel ça peut apprécier ce genre de... qui apprécie ce genre de vidéo. Voilà, j'essaye de d'être correct parce que voilà, je suis vraiment content d'avoir ce jeu. Franchement, je vais pas mal geeker, je pense, ce soir sur ce jeu. Au point que je vais vraiment... Attends, mon volant n'est pas vraiment en face du... de l'écran. Là, c'est bon. Du coup, je vous dis bonjour et bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Et ciao à tous.